Savez-vous, ma chère, si Madame Palmieri est arrivée? Je ne sais pas, mon cher baron, je vais aller voir. C'est à propos de Madame Palmieri. Que savez-vous de son mariage? Je vais vous raconter. Quand elle eut 20 ans, le vieux banquier Palmieri demanda sa main. Elle refusa tout d'abord. Et puis brusquement, un jour, sans qu'on sût pourquoi, elle accepta. Sans doute un amour contrarié, d'où dépit. Peut-être. Palmieri était d'ailleurs un homme très bien élevé, très discret. Il le prouva en mourant quelques mois plus tard. Il laissant à Madame Palmieri une fortune de 300 millions qui fait l'objet de toutes mes préoccupations diplomatiques. 300 millions, bigre! Elle est délicieuse! Et vous ne la connaissez pas? Ah si, maintenant nous la connaissons. Ah, c'est une joyeuse veuve. Du reste, quand on a 300 millions et un mari, et qu'on perd le mari mais pas les 300 millions, ça fait 301 raisons d'être content. Pour beaucoup moins que ça, je serais un joyeux veuve. Voici Madame Palmieri.